leader in entertainment, has electrified audiences around the globe for over 60 years. Welcome to a global phenomenon! Today, WWE superstars entertain 13 million members of the WWE Universe. You know it! From over 145 countries and in 30 different languages each week. It is here! But it wasn't always this way. On January 11th, 1993, WWE broke new ground when it premiered Monday Night Raw. The hottest live action around! Meanwhile, with virtually unlimited financial backing, WWE's chief competition, World Championship Wrestling, was acquiring many of the top superstars that helped turn WWE into a worldwide phenomenon in the 1980s. History is being made. On September 4th, 1995, the first episode of WCW Monday Nitro aired in the same time slot opposite Monday Night Raw. The Monday Night War was on. For nearly 1 year, WWE and WCW saw ratings leads traded back and forth. This capacity crowd jam-packing the arena! Eventually, WCW pulled ahead, while WWE's ratings plunged. Soon, WWE's survival was in question. It was time for WWE to shake things up, to create an experience unlike anything fans had seen before. It was time to usher in a new era. Surely the era of the superhero who urges you to say your prayers and take your vitamins is definitely passé. Therefore, we've embarked upon a far more innovative and contemporary creative campaign that is far more invigorating and extemporaneous than ever before. This is the story of eight men who tradition to redefine it. Austin 316 says I just whipped your... Rest in peace. Best there ever will be. Have a nice day. Eight men who battled each other to win a war. That's it. The impossible has happened. And it all started with a group of degenerates. We are the generation that eat. You make your rules and we will break them. Bonjour, bonjour à tous, c'est Parcours 2020 et on se retrouve pour la 8ème partie de WWE 13. Allez, on est parti, alors on avait fait Stone Cold face à Shawn Michaels à WrestleMania. Donc on va continuer avec le match bonus qu'on a débloqué, voilà. Donc je poursuis encore des épisodes donc à la suite. Parce qu'apparemment c'est très court, 20 minutes à peu près chaque épisode, ça c'est bien, voilà, c'est court, bien et précis, ça comme j'aime bien, voilà, c'est pas trop court, pas trop long, comme ça au moins ça vous laisse vraiment, voilà. Depuis Blood où Ken intervient et effectua un tombstone Piledriver sur Undertaker lors du premier match à la selle, Undertaker refusait d'affronter son petit frère. En revanche, les batailles psychologiques et les événements qui s'étaient déroulés en continu entre eux lors des 7 derniers mois précédents, ce moment ne donnerait pas d'autre alternative à Undertaker que de détruire son frère. Ken, ces deux monstres de plus de 2 mètres, reflets mutuels, allaient enfin s'affronter en tête à tête, un contre l'autre. Ce match marqua la première participation à Ken à WrestleMania et la 7ème pour Undertaker. Donc Ken contre Undertaker versus Ken 98, c'était le 29 mars. Ouais. Ok, alors exécuter un show slam, exécuter 3 stomp tomb par driver et remporte la victoire par tomber. On est parti. Making
weighing 323 pounds, Kane. Oula. Ah bon. Ah, exécuter 3 stuntons. Ça, ça va être difficile quand même. Remporte le match par tombée. Ok. Pas de problème. Pas de problème. One mistake against the Undertaker can be very, very fatal. The Taker's ouch. That'll scramble your brains. What an impact from that kick. Wow, an expert reversal there. Ouf, joli, 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 joli. Ah, c'est moins beau ça. Oh, raté. Exécuter un show slam. Ouais. Comment il fait un show slam déjà? Ah oui, 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 je vois. On fera un show slam après. Sometimes when you take a risk, you crash and burn. And sometimes...
J'essaie de vous faire un peu de gameplay un peu plus joli. C'est pas facile non plus. D'accord. Ah. J'ai raté. Oh. Bien joué, bien joué. Oh. À moi maintenant, à moi de jouer. Hop. Allez, maintenant j'ai deux finishes. Essayez d'en avoir un troisième, tiens. Parce que si vous avez vu ma vidéo précédente, une de mes vidéos d'avant, au Royal avec Stone Cold, on avait deux, quatre finishes. Moi, je vais essayer d'en avoir un troisième. Voir si c'est possible, tout simplement. Ah oui, c'est possible. Ah, d'accord, on peut avoir un... D'accord, ok. Bon bah ça va être vite fait alors. Quoi, s'il veut bien me lâcher. Ah. Oh, ah. Je crois pas que c'est possible d'en avoir un quatrième, hein. Ou à moins que... Ah, bien joué. C'est un combat plus dur que d'habitude, ça. Voilà. Alors, si on peut avoir un quatrième, tiens. Ce serait intéressant. Occasion de ce match pour voir combien on peut avoir de... Le finish. Simplement. Parce qu'il me faut, il m'en faut trop. Il m'en faut 4 en tout. Voilà. 3 stantons et un show slam. Oh, raté. Ok, il m'en faut 4. Donc. Non, non, on peut en avoir que 3. Apparemment. Ah ouais, on peut en avoir que 3. Bizarre, t'as l'air avec Stone Cold, j'en ai pu en avoir que... En avoir 4, c'est bizarre ça. Si c'est 4, hein. Ah, on peut en avoir 4. Oh, si, attendez. Ah non, non, c'est 3, c'est 3. Non, non, c'est 3. Ah, j'ai raté mon contre. Génial. Bon. Bah non. Ah.
Ouh. Ah. Ah, mais j'ai appuyé sur... ça, c'est agaçant, ça. C'est très agaçant. Très agaçant. Qu'on appuie sur le bouton et puis... Eh bien. Viens par là, mon ami. Viens par là, mon petit frère. Hop. Parfait. Un. Deux. Ah, ça c'est beau, ça. Ça les, ça vous pouvez voir, vous pouvez regarder. Je sais pas si vous serez nombreux à regarder, mais c'est joli. Trois Stone Pile Driver à la filée. Oh là là, ça c'est joli. Les mecs, le mec il se relève après 3 Stanton Pile Driver, quand même le mec, c'est un show, c'est un show. La question c'est ce qu'il va se relever après. Celui-là. Il se relevait après ce tonton palais, ce quatrième. Et c'est ça, c'est beau, franchement. Tout est fou. Ah oui. Bonus qu'on va aller faire, voilà, hop, c'est parti. Ah bah dis donc, ça, les matchs bonus ont l'air plus difficiles que les matchs normal, hein, ou c'est peut-être moi qui joue comme un demi-dieu, je sais pas, mais encore un match Undertaker contre Ken, 26 avril 98, ce match retour à WrestleMania entre Undertaker et Ken avait placé la barre encore plus haut entre les deux frères, avec l'introduction d'un nouveau type de match diabolique et potentiellement mortel. Depuis ses débuts, Blood Blood, Ken et son demi-frère Undertaker étaient affrontés dans des matchs extrêmement disputés. En plus d'être la dernière confrontation de leur rivalité initiale, le match Unforgiven était également le premier Inferno match de l'histoire de la WWE. Alors, objectif bonus historique, exécuter un coup spécial, exécuter un show slam, amener Ken au niveau de dégâts critiques et exécute une prise debout. Et objectif caché.
Allez, on y va, on est parti. Et on est parti. Oh là. Oh là. Oh là, ça m'a l'air un match très compliqué, ça. Un coup spécial et un show slam. Et au niveau dégâts, ramener Ken au niveau dégâts et faire une prise debout. Ok. Donc pour parler de ce genre de match, je crois que ça a disparu. Hein. Il n'y en a plus hein, depuis un moment de ce genre de match. C'est un peu dommage. C'est impressionnant en vrai. Hein. Là, c'est un jeu, donc ça va être très impressionnant, mais en vrai, c'est impressionnant, quoi. Difficile pour cet épisode 8. À la rigueur, c'est bien parce que les épisodes étaient assez courts, les épisodes précédents étaient assez courts, donc celui-là va être un peu plus long que d'habitude.
Parce que je pense qu'on va dépasser les 30 minutes. Donc, ce sera un peu plus long d'habitude, ça changera. Ça c'est beau, un beau combat, moi je trouve, hein. Après dégâts légers, j'ai même pas encore fait un seul dégât, c'est un truc de enfin, fou quoi. Donc là, il y aura un petit dégât quand même. Ah ouais, ouais, ouais d'accord. Qu'il faut que je la mène au niveau dégâts critiques. Ah. Peut-être dans pas longtemps. Ah oui, alors là. Undertaker 97-98 Arène Forge 98 voilà, donc c'était deux matchs bonus, voilà, c'est chaud parce que ça fait 25 minutes quand même, ça fait un peu plus que d'habitude. Bon, en tout cas moi, ça m'a plu de revivre au moins ces deux matchs exceptionnels. J'espère que cela continue à vous plaire. Je vous dis à la prochaine pour l'épisode 9, si je me trompe pas. Non, je me trompe pas. Épisode 9. Allez, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Portez-vous bien. Et surtout, amusez-vous bien. Salut.